Bonsoir, bienvenue sur Entre Live où nous poursuivons donc l'aventure Mad Max. Après une certaine petite pause quand même en plus. Ah, pardon, les temps de chargement de ce jeu m'avaient pas manqué. Ainsi que les conseils de Captain Obvious du jeu en haut à gauche. Réalisez une longue série de coups pour passer plus vite en mode fureur. Dans ce mode, les attaques de masse sont plus puissantes. On n'avait pas deviné au bout de 40 heures de jeu. Bordel de merde, qu'est-ce que je fous là? On avait arrêté là? On n'était pas chez Capitaine Haddock. Ah mais si on est chez Capitaine Haddock. Ah putain! Oh la vache! Je l'avais pas reconnu avec tout le bordel. Je crois qu'on était dans la planque de Freddy Krueger. Quel con. Quel con. Bon bah si vous voyez, on avait une fabrique de métal à terminer ici. Voilà. Alors, construisons là. Oh, et avec la magie, avec un petit coup de 24 heures plus tard, voilà, la forteresse de nerf plus pété, un truc dans le genre, non? Ah non, c'est juste pour dire qu'elle est terminée. Ok. Ah, je suis une légende maintenant. Ah, c'est bien. C'est enfin fini qu'on me parle comme la dernière t'es sous merde, quoi. Alors, est-ce qu'on peut améliorer un peu le Matsu? Mais. Salut Dartakil, comment ça va, vieux? Et ça va, ça va? Ah oh, oui! Ah oh, oui! C'est quoi ça, cogne tronche? Allez, j'achète. Oui, je veux le cogne tronche. Oh là là, mais regardez-moi ces gantelets de la mort! Oh le bourre-pif que ça doit te mettre! Magnifique. Ah, et la veste finale. Allez, on la prend. Ouais. C'est pas mon idée de ce que je me faisais de Mad Max, sincèrement, en tenue finale. Mais bon. C'est un minimum de gueule quand même. Ah, faut que je sois un nomade béni pour avoir ça. Oh nom de Dieu. Ah, sympa! Ça fait toujours plaisir, ça. Ah oui, une plus grosse cartouchière, évidemment. Ah, il faut... Ta connexion n'est vraiment pas très, très... comment dire? Elle n'est pas très collabo, hein, ta connexion. Elle est très dissidente, voilà. Elle est très dissidente. Oh! Un nouveau fusil! Oh! Oh! Oh la gueule! Attendez, je sais bien que vous voyez peut-être pas aussi bien que moi parce que moi je suis quasi scotché à l'écran, mais je crois que c'est un quadruple canon. Oh, il va se passer des choses. Oh, il va se passer des choses. Bah, ce que tu devrais peut-être faire dans ce cas, c'est faire tes coupures comme je fais. Comme ça, ça te permet de le faire correctement pour les VO si tu veux faire tes VOD. Ah, j'ai plus assez de métal. Ah, mais il va se passer des choses là. Ah, il va se passer des choses. La carte, s'il vous plaît. Bon, alors voilà le programme pour Mats, parce que là on a fini de monter les bases, enfin, hein. Donc, maintenant.
C'est dans gestion. Bah, tu sais, dans les paramètres Twitch, tu peux mettre faire une enregistrer tes streams. Et à partir de là, tu peux les sauvegarder et le upload via gestion de vidéo. Bon, alors sinon, le programme maintenant. Le programme. C'est quoi? On va faire les forteresses état une à une, histoire de vraiment se mettre bien, de faire tomber l'affluence à crever de Strotus. Comme ça, on va pouvoir acheter tout le stuff et on va boucler le jeu. Ça me paraît bien. D'ailleurs, la forteresse la plus proche, elle est là. Ça a l'air d'être très sympa, niveau 3, difficulté. Bon, je constate que le stuff qu'on a, on va pisser dessus normalement. J'espère. En tout cas, je suis content, je n'ai pas perdu mon skill en bagnole. Je conduis toujours comme un manche. Oh, un informateur. Alors, on va essayer de lui parler sans le tuer, celui-là, hein, parce que je me rappelle que le dernier, on avait roulé dessus. Attends, je voudrais juste voir un truc. Ah, la caméra qui est dégueulasse. Oui, c'est un quadruple canon. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte, le monsieur? Ok, problème de voix. C'est un mec avec une voix de femme. Quoi, c'est tout? C'était juste pour me sucer la queue? Ok. Ok. Oui, je double les doublages de la voiture. Hein. Faut bien, parce que malheureusement, il n'y a pas de musée dans ce jeu, ça c'est vraiment l'horreur. Et ça me perturbe, sincèrement, que le fait qu'il n'y ait pas de musique, ça me... Ah, il est en hauteur, je vais pouvoir y faire le tour. Quoi, c'est ici la planque? Ah merde! Why? Attends, t'as ça comment? Il y a un truc, j'ai dû louper là, c'est pas possible. Bah là, on est parti pour 2-3 heures de stream. Ah, ok, c'est là l'entrée. Donc, tu as le temps, je pense. Tu as largement le temps devant toi. Donc on vient de débuter en plus. Allez, je me fais pas chier. Toi, je te fais casser la gueule. Toi, je te déchire. Ah bah pas de problème, vieux. Toi, je t'explose. Mais il est en train de niquer ma caisse. Oh, tu vas te calmer, Arcturos, là. La bastos que je viens de me prendre. Tiens, mange ça. Wow! Wow! What the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai descendu de la voiture et là mon perso bref. D'accord. Matt, ça fait un AVC, je crois, au volant. Ah, l'AVC qu'il vient de me faire. Ah, magnifique. Ah, putain. Bon, moi, c'est bien. Je récupère toute ma vie, normalement. Oui, parfait.
Ah non, t'es pas à sec. Eh, super pour ton follow, mec. Alors, est-ce que c'est dur? Je peux l'arracher. Mais oui, je peux l'arracher. Matt? Ah oui, je dois avouer que le bug là, il était magnifique. Alors, une relique de l'emblème de la ferraille, ok. Stay put. Bon, par contre, j'aimerais bien qu'il y ait du Warboy là, beaucoup de Warboy pour tester un peu mes nouvelles compétences. Ça pourrait être bien. Ah, bah enfin de la musique! Ça fait plaisir! Et ça s'est calmé! Wow! Bah, j'étais pas non. Matt! Voilà, la voyeur en moins. Alors, c'est où la roulade encore? Ah, voilà, c'est là la roulade. Oh là là, je suis totalement rouillé. Heureusement que maintenant je tape comme une brute. Bon, je vais le laisser taper. Voilà, maintenant je te casse la gueule. Voilà, merci. Et je prends ton jouet. Voilà, c'est à moi. Oh, de la ferraille. Ah, un emblème de Strotus. Ok, mon flingue garage têtu. Réservoir de transfert. Ah putain, c'est une mission comme ça. Oui, j'avais pas fait gaffe à la mission. Tac, tac. Le système de sécurité le plus efficace au monde, hein. Évidemment, vous mettez... Quand vous mettez une alarme, ça c'est l'astuce à faire tous les jours, vous mettez le code de sécurité sur un petit papier à côté du boîtier à l'extérieur. Vous allez voir, efficacité garantie. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici à part... Quoi, il y a juste... Oh, cette forteresse a pas l'air bien gigantesque. Je pense qu'on va se faire un peu chier. Évidemment, il faut attendre la porte... Voilà. Voilà, la porte de 2 tonnes défoncée. Alors... Gauche ou droite? Bonne question, allez, la gauche. Ah, bah j'avais raison, de la ferraille, c'est parfait. Ok, il y a un objectif là, il y a du carbu là pour le faire péter, parfait. Ah, une relique de historique. Qu'est-ce que c'est de cette photo dégueulasse? On dirait tes tripes. Légende, s'il vous plaît. Ned, je veux ça à la une, légende. Alors que la crise s'intensifie, les citadins tentent de survivre par tous les moyens. Le prix de la viande de chat, de chien et de pigeon a atteint des sommets sur le marché du centre-ville. Ah oui, d'accord. Luxuries. Ah, ça c'est tu chat, tu chien et tu pigeon. Il
mange beaucoup de viande là-dessus, non? Ou c'est moi qui prépare ça? Ou alors c'est moi qui m'y connais pas en cuisine? Je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien, hein, je suis pas expert en bouffe de chien, hein. Oh merde, quel con, quel con, quel con, quel con. J'avais oublié que la physique de ce jeu était à chier. Heureusement pour moi. Ça a fait péter l'objectif, ça a fait péter l'objectif. Mais ça m'a pas fait péter. Ah bah non, c'est normal, c'est parce que dans le monde de Mad Max, tout ce qui est animaux et tout ça ont crevé en fait. Vu qu'il n'y a plus d'herbe nulle part. C'est un monstre apocalyptique. Hein. Enfin attendez, je vais répéter ça sans me niquer la langue, ça pourrait être bien. C'est un monde post-apocalyptique. Oh, first try. Ma linguistique est parfaite, les enfants. Vous n'avez rien entendu. Tous ceux qui diront le contraire ne sont que des vils menteurs. Ah, mais par contre, c'est la forteresse du pauvre ici. Y a personne ou quoi? Il y avait juste 5 lampins et 2 tondus, c'est ça? Ah, mais voilà! Ah non, 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 à voix. Vite, faut le tuer, faut le tuer. Non. Voilà. On va se calmer, messieurs, on va se calmer. Je vois qu'il se passe des choses. Voilà. Oh, le DPS que j'ai avec mon nouveau gantelet, quoi. Ça veut plus rien dire, quoi. Même les mecs au bouclier, je les défonce maintenant. Alors que je me rappelle, avant, c'était ma némésis, quoi. Ben, en gros, pour donner le contexte, donc, hein, dans Mad Max. Il y a eu une grosse guerre nucléaire. Résultat, il y a eu un hiver nucléaire, hein, bien évidemment. Et résultat, bah, tout ce qui est plantes, etc., ont crevé en fait. Et alors, évidemment, bah, c'est pas de plantes, les herbivores ont crevé de faim, et ainsi de suite, jusqu'à la chaîne alimentaire se pète la gueule. En gros, tout ce qu'il y a dans le monde de Mad Max, c'était des animaux, quelques rares animaux mutants, notamment des reptiles, les insectes. Les humains, si on considère que c'est des animaux. Et c'est tout! Par contre, je suis rouillé, mais à mort. Oh, ça a l'air gentil, ça, c'est pour moi. Bon, je me rappelle qu'il y avait un spot d'eau un peu en arrière. On va aller le chercher parce que là, j'ai pris grave cher dans ma gueule. Ah oui, j'étais passé par là. Allez, glou 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 glou. Ça t'est bien de Mad Max en fait. Pour lui, la flotte, c'est comme les épinards de Popeye. Vous voyez, c'est magnifique. C'est glorieux. T'as déjà tout été, gros sagouin. Mais merde, tu fais chier. Voilà. C'est pas grave, on a encore à peu près une demi-gourde. On a une grosse masse. On a encore 4, 5 balles. Ah oui, ça veut plus rien dire au bout d'un moment le fusil en fait. Ça va, on a quoi faire du petit carnage. Du carbu, y'a rien d'autre. Donc, évidemment, quand les ressources se sont cassées la gueule, bah oui, les petits animaux comme les chiens, les chats, etc., bah c'est devenu des casse-dalle, quoi. Et me regarde pas comme ça, Jeans, je te rassure, même au monde post-apo, je ne te mangerai pas. Et je ne laisserai personne te manger. De toute façon, tu mangerais tout le monde. Moi le premier.
What? Me serais-je paumé? Je crois que je me suis paumé comme un grand. Je me suis paumé. Et je suis revenu à mon point de départ comme un gros sac. Merde. C'est chiant qu'il n'y ait pas de minimap quand même. Parce que pour t'orienter par moment, vu que tout se ressemble dans le jeu, quoi. Donc là, on avait pris à gauche. On avait monté là. On avait pris par là. Là, il y a eu l'erreur des petits cons. J'ai laissé tomber mon arme, bordel de merde. Je suis vraiment une bête. Oh, oh, je suis trop rouillé. Je suis trop rouillé. Mon skill a foutu le camp, les enfants. C'est mort. Là, je me rappelle d'y avoir été. Fait chier que Mats puisse pas courir. Ah, voilà. Bon, il y a des objectifs là, c'est qu'on est sur le bon chemin. On est en flamme, on laisse tomber, on se casse bien loin. Voilà. Alors on pète ça, je sais pas pourquoi, hein. Mais on va le péter, ça a l'air drôle. Ah ok, c'est des objectifs aussi ça. Ah mais fallait me le dire. Alors pas tout ça, je sais pas ce que je suis en train de péter. Ouais. Ça m'a pas l'air concluant ça. Bon, si je me rappelle bien, il restait un chemin à faire et je suppose que c'est là que se trouve le dernier item. On va aller le casser, hein. La 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 la, je me promène comme un con. Ouais, c'est ça, il me reste un réservoir à faire péter. Ah, une arme. Ah, là, c'est le point par lequel on... Ça, c'est le point de départ, ok. Oh la vache, je n'aime pas du tout ce donjon. Je préfère penser un couloir à ce niveau là parce que moins chiant s'orienter. Donc j'avais pris à gauche, donc là on va prendre la droite. Pourquoi est-ce que ça m'amène là? C'est là où je me suis battu. Ah, de la ferraille. Je suis paumé, je suis paumé, je suis vraiment qu'une brêle. Oh, ça va être chiant de retrouver son chemin là-dedans. Surtout qu'il faut trouver un objectif hit, hein, évidemment. Vous connaissez le principe. T'es deux points. Bon, vous me direz, normalement, le principe de points, c'est justement si il y en a un qui est fit, c'est plus facile, mais bon. Tout se ressent dans ce level, je sais plus par où je vais, je suis devenu totalement con. Et oui, je vais vous casser les oreilles en chantant. Bon. Bon. Soyons méthodiques. Essayons de réfléchir un peu. Utilisons mes deux neurones. Donc ici, je me suis fighté contre les du con. What?
Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Je suis toujours vivant? D'accord. D'accord. Ok, j'ai marché dessus, ça a pété, hein. C'était du matériel très fragile, visiblement. Oh mon dieu. Oh la vache. Je me rappelais pas que le jeu était aussi buggé tutu, hein. Au moins c'est bien, hein, ça. Ça nous change tes jeux bien faits. C'est ça qui est bon. Ah mais si, il y a un bouton pour le faire courir. Enfin, faire courir, hein, c'est entre parenthèses, hein, mais... Au moins, il va un peu plus vite pour se déplacer. Non mais c'est merveilleux, un jeu aussi bien bugué. Oh merde, je me suis entouré de route. Pour... J'arrête pas de me paumer, j'en peux plus. Il faut que je m'en aille d'ici. Faut que je m'en aille d'ici. Allez, Louloum, accroche-toi, on fout le camp d'ici. Oups, c'était calculé. Alors, prochaine forteresse, il n'y en a pas. Mais il y a un objectif de quête là. Allez, on va faire la quête secondaire. Ça peut être bien aussi. On espère retrouver un peu de challenge au bout d'un moment. Parce que là, ça a été un peu facile. Malgré moult bugs. Oh, bonsaï. Oh, je t'ai pas loupé. Bon, c'était sa quête que je visais. Mais. Ah, je suis désolé, vieux. Je t'ai pété les deux jambes, je crois. Et il reste avec. Voilà, c'est ça que je voulais faire à la base. En soit le conducteur, je m'en fous quoi. Non. Ah mais je peux pas les aider, j'ai pas d'eau. C'est pas une blague en plus, j'ai pas d'eau à leur donner. Là, je me rappelle bien, c'est la tombe de l'ancien seigneur de guerre qu'on l'a enterré avec un véhicule ultra pété, blablabla. Véhicule ultra pété, mais qui va juste me rapporter une amélioration à la con sur ma caisse, hein. On note, hein. Ah, il me faut le harpon. Ouais, bah bon appétit, vieux, bon appétit. Alors, le harpon, vous dites. Ah, t'es Warboy. Pouaf. Merci. Et voilà comment on règle tes problèmes entre gens civilisés. Oh une arme, merci. C'est trop aimable. C'est ça. Tu vas rien foutre pendant que moi je risque mon cul. Oh là là, c'est quoi le piège? Tank's empty. Maybe there's some cans around.
Oula. C'est moi ou il y a un truc encastré dans le toit de cette caisse, une moto, une connerie dans le genre? Ça m'a pas l'air bien pratique ça. Enfin. Oh, vous parlez de combien qu'il va y avoir les vautours? Enfin, les espèces d'hommes aux yeux rouges dégueulasses là. Bon, bah, avant que le jeu les fasse proc, je vais piller leur frigo. Hein. Voilà, on pille bien le frigo. Maintenant, on va faire le plein plein de la tuture. Ah oui, c'est bien une moto avec un squelette dessus. Alors, on va voir un peu le design. Ah, c'est singulier. Je suppose que je dois l'amener à une planche. Bon, on va l'amener à une planche, écoutez. En mode ça, je l'arrête dans ma collection. Là, je suis pas fan du tout du design, quoi. C'est très Mad Max, hein, mais je sais pas. Elle est légèrement savonnette. Oh merde, là je crois que je l'ai. Je crois que la structure là je vais la tuer par contre. Oh non, je vais pas y arriver. Ah si. Ah, first try, allez. Ah mais nickel. Ils me disent plein de trucs que j'ai pas encore fait, c'est magnifique. C'est tout bonnement magnifique. Alors il y a une forteresse là-bas, ça a l'air bien. I'd wager if we destroyed these unholy camps of the Scrotus Hordes, there'd be traitors like kings around here.
Ah bah je te reçois mon petit loulou, c'est prévu. Attends, je crois que je peux améliorer maths encore un peu. Allez, on va lui apprendre plein de skills. Ça va donner un bon gros gladiator. J'ai tué son conducteur. Ah non, il y en a un qui a survécu. Allez. Paf. Voilà. Comme ça, on fait bonne mesure. Et on va niquer sa caisse. Comme ça, ça fait de la ferraille à récupérer. C'est très bien comme cela. J'ai 9 points à claquer chez mauvaise haleine. La vache. Ah oui, bon, allez. Il n'y a pas de petit profil, on dit chez moi. Oh la belle physique. Heureusement que j'ai une voiture en bubblegum. Comme ça, ça rebondit super bien. Côté. Bon, heureusement, ils ont pas la portée d'ici. Continue de réparer. On va y aller à fond. Et s'il te plaît, vise droit. Mais bordel de merde! Je tire à bout portant, il y a plus fort. Hein. Mais. C'est quand même malheureux de devoir employer le fusil pour faire ça, quoi. Ok. Entretuez-vous.
Alors, on va voir si cette porte va mettre 10 ans à lâcher ou pas. Explosion, bien sûr. On l'a déjà faite celle-là. Répare la caisse pendant que je vais leur casser la gueule à ces petits cons. Ah merde. Pourquoi ça pète déjà de partout, j'ai rien fait. Et tous les Warboys sont morts. Mais le jeu, laisse-moi jouer. Ah. Pourquoi tu leur pètes les rotules? Casse-leur la gueule, mais leur pète pas les rotules, ça se fait pas! Ah, ça par contre c'est à moi ça. Ouais c'est ça, fais le cake. Ça va faire mal. Et n'empêche, à la fin du jeu, ça devient quand même pire que Mortal Kombat, le Mad Max, hein, quand il veut. Hein. Bon, il s'est trouvé un baril explosif pour le faire péter parce que j'ai pas envie de gaspiller tes balles, quoi. Ah! Il semblerait que le jeu me dise merde, en fait. C'est naze, ta caisse, mec! Salut, Vert, c'est la dernière fois que tu verras le spectre blanc. Et ta part pour le gage de la banque. Connard, amuse-toi bien. Je t'ai bien de faire enfiler en tôle, jouer et la bande. Sympa. That car wouldn't last long out here. Not without some major adjustments. Bon, ok, j'ai compris. D'accord, pourquoi tu me... Je vous jure, je n'ai même pas appuyé sur le truc des quêtes. Je sais pas ce qu'elle joue aujourd'hui, mais il est un peu en PLS là, j'ai l'impression quand même. Parce que je me rappelais pas de savoir... Ah, ça bugait au camp. Ou alors... Oh merde, 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 merde. Oh, j'ai failli faire une belle connerie, moi.
Ah! Attends, bouge pas. Ne bouge absolument pas. Oh, mais quel con! J'aurais pu faire aller-retour pour prendre les lances et. Oh merde! Suis-je con? J'ai gaspillé tellement tes munitions de flingue. Enfin, c'est pas grave. Au moins, on a gagné du temps. Écoutez, on a gagné du temps. C'est ça qu'on va se dire. On a gagné du temps. Lancer. Chérie, je suis rentré. Ah mais ça a l'air de se passer par là en fait la fête. Coucou les copains. Oh, de la pâté pour chien, magnifique. Alors ça, je vais en prendre un parce que je suis prêt à parier que je vais en avoir. Comment je suis sur cette atteinte, ça, moi? Attendez. D'accord. Oh, pas mal. Ah, il était bien caché celui-là. Pour un masqué, il était bien mis. Non, mais ouvre la porte. Ah, cool, tes cartouches. Oh mais par contre ce manque d'ambiance toi franchement ça c'est. Pour toi les musiques du film sont classe. Pour toi qu'ils ont pas mis les musiques du film, ne serait-ce que pour animer un peu le bordel, parce que là c'est la mort au niveau ambiance. Ah mais alors toi mon coco. Lance-le, espèce de con! Ah!
Mais c'est sale, Matt. C'est très sale ce que t'es en train de faire. Oh, belle esquive. Oh, tu t'es bien planqué toi par contre. Et voilà, on a encore niqué l'influence de ce trottus dans le coin. Oh, mais le jeu qui me donne carrément de la ferraille quoi. Et je crois qu'on n'aura même pas besoin de faire toutes les forteresses en fait à ce rythme là. Parce que franchement, le jeu il est en train de tout me donner pour matser à fond mats quoi. Non, ce jeu de mots à la con n'était pas fait exprès. Attends, comment je fais pour accéder là-haut en hauteur? Ah, voilà. Ah, trouve un explosif. Par contre, ça c'est chiant, les portes explosives, quoi. Je veux dire, le jeu te donne ce qu'il faut à 2 mètres. Mais t'es quand même obligé de te taper l'aller-retour, quoi. C'est un flamme, t'es pas les portes, quoi. Ça aurait été moins chiant. Merde! Mats, pourquoi tu boites? J'ai pas perdu un P de PV en fait là. Merci, respecte-toi un peu. Mais pourquoi est-ce que ça réinitialise à chaque fois le menu? C'est totalement con ça aussi. Ça a l'air super drôle ça. Ah, il me manque plus que 3 compétences et on a toutes les compétences de match quoi. Si ce n'est pas beau ça. Ah ouais, mais Matt c'est quasiment à fond en fait. Il n'y a plus que la bagnole à monter. La bagnole ça va aller tout seul normalement.
Ok. Je sais pas où c'est les lieux noirs. Je sais pas du tout où c'est. Ah, je l'avais pas pris en fait la réduction de CD de ce truc. Ah merde, c'est pour ça que ça tirait comme à une vitesse de merde. Ah par contre on fait le loin pour la panthère noire, c'est ça que je veux là. Il faut vaincre le cahier Gaspa Group. Ok. Ça par contre, je suis désolé, je joue à Mad Max, faut que ma bagnole soit noire, quoi. Je veux dire, c'est le minimum syndical. Alors, les gueules noires, les gueules noires. Mais c'est merveilleux, je sais pas du tout où c'est. Oh, écoutez, on va toutes les, sauf on finira bien par tomber dessus, hein, par hasard.